voulez nous choisir pour vous informer sur la télé démocratique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Ouvrons ce journal avec cette mise au point du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi. La reprise des cours est bel et bien confirmée pour ce 8 janvier 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette mise au point du patron de l'EPST vient couper court à un pseudo-communiqué qui fait état du report de la reprise des cours au 15 janvier 2024. Nathalie Kasongo pour le détail. Suivez. Contrairement à un communiqué officiel signé par un certain ministre d'État, ministre de l'EPST qui circule sur les réseaux sociaux, œuvre d'un nain civique ayant imité la signature de son excellence le professeur Tony Mwabakazadi, ministre de l'EPST, faisant état d'un report de la reprise des cours au deuxième trimestre de l'exercice scolaire en cours, le ministre de tutelle tient à confirmer qu'en respect strict du calendrier scolaire 2024, le début du deuxième trimestre de cette année scolaire reste maintenu au lundi 8 janvier 2024 et ce conformément à l'horaire des cours de chaque école et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et à cet effet, dans un autre communiqué signé par le secrétaire général de l'EPST, Christine Nepanepa, il est demandé à chaque directeur provincial de l'EPST de réunir son comité provincial afin de prendre des mesures utiles pour le respect strict du calendrier scolaire 2023-2024 et en assurer une large diffusion auprès de tous les acteurs et partenaires éducatifs. À en croire le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, la reprise des cours est effective pour ce lundi 8 janvier 2024. Une mise au point du ministre de tutelle sur son tweet. Autre chose à présent, 4 janvier 1959, 4 janvier 2024, cela fait exactement 65 ans depuis que furent tués les martyrs de l'indépendance par les autorités coloniales belges. En République démocratique du Congo, cette date est considérée comme une fête nationale et la journée est déclarée chômée et payée. Que s'était-il vraiment passé ces jours-là, du 4 janvier 1959 ? Élément des réponses dans ce papier de rappel historique qui porte la signature de Patrick Kangakuto. Suivez. Les vents de l'indépendance qui a soufflé sur le continent africain, notamment au Congo belge, notamment des partis politiques comme l'association des Bakongo pour l'unification, la conservation et l'expansion de la langue Kikongo-Abako et les mouvements nationaux congolais MNC revendiquent même l'indépendance. Le 4 janvier 1959, l'Abako prévoit tenir une assemblée au stade Imka de Kalamu, l'une des communes de la capitale de Leopoldville, sous l'incitation du premier bourgmestre de la ville, Jean Tordeur. Les organisateurs acceptent de reporter. Une foule se rassemble néanmoins à cet endroit le 4 janvier. Le leader de l'Abako, Joseph Kasavubu, prononce un court discours annonçant que la réunion aura lieu avec une déclaration du gouvernement belge prévue pour le 13 janvier. Mais dans les heures qui suivent, la situation va dégénérer. Au mécontent s'égreffe des dizaines de milliers d'amateurs de football déçus de la défaite de leur favori. La violence se répand dans la ville. Des maisons, magasins, missions religieuses et symboles de l'autorité coloniale sont vandalisés. Des policiers et des troupes interviennent avec force. Les bilans des 4 jours de la violente répression varient selon les estimations qui vont de 49 à plusieurs centaines de morts. Alors Kasavubu et d'autres meneurs de l'Abako sont arrêtés et emprisonnés pendant quelques mois. L'événement fait le tour du monde et contribue à alimenter les sentiments indépendantistes. Le 13 janvier, le roi Baudouin Ier fait un discours dans lequel il annonce une large décentralisation conjuguée avec une extension rapide des systèmes électoraux et l'abandon de toute discrimination entre noirs et blancs.
Les événements du 4 janvier, qui deviendra la journée des martyrs, seront considérés comme déterminants dans l'accession du Congo à l'indépendance le 30 juin 1960. Joseph Kasavubu sera alors le premier président et Patrice Emery Lumumba du MNC, les chefs du gouvernement. Toujours dans le même chapitre, 65 ans après, par devoir des mémoires, les Congolais se souviennent de ceux qui sont élevés au rang de martyrs tombés lors du soulèvement populaire déclencheur du processus de l'émancipation du pays. Jean-Marie Bolipa Liéhi, cadre du mouvement humaniste et d'éveil des consciences MEC en sigle, parti cher à Albert Mpeti, salue la bravoure des Congolais pour cette lutte loyale. Il est joint au téléphone par votre rédaction. On l'écoute. La date du 4 janvier est une journée perpétuelle, madame. Une date commémorative qui me rappelle un événement sanglant, inoubliable et important pour nous Congolais de la République démocratique du Congo. C'est la journée des martyrs de l'indépendance de notre pays. Ceux qui ont eu le courage de revendiquer publiquement, défiant la force coloniale pour leur liberté et les droits civiques contre les langues coloniales. C'était à Imka, suite à un meeting annulé de la Bako par l'autorité coloniale, et en est suivi une répression très sanglante. Le nombre de morts jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas. Ces événements, où émettent du 4 janvier, qui ont duré 4 jours, étaient répandus dans toutes les villes du pays et ont permis la cession de notre pays l'année suivante, le 30 juin 1960, à l'indépendance. C'était un point de passage obligé vers la décolonisation totale et l'émancipation générale qui a donné la possibilité à nous, peuple congolais, jusqu'à aujourd'hui, de disposer de nous-mêmes. J'exhorte le président de la République élu, son excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi, et à tous les opposants, malgré les divergences politiques actuelles, d'honorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour défendre les valeurs de la République. De rendre aussi hommage à toutes les victimes des guerres barbares nous imposées par les multinationaux à travers leurs bras séculaires, le gouvernement rwandais. D'autres Congolais s'y souviennent aussi du 65e anniversaire de la mort de martyrs de l'indépendance de leur pays, la République démocratique du Congo. Certains de ces Congolais souhaitent qu'une journée soit également dédiée aux 10 millions des Congolais victimes des guerres d'agression dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont au micro de Patrick Kangakutu. Images et commentaires. Sentiment de tristesse d'avoir perdu nos aînés pour la lutte pour la liberté, la lutte pour la démocratie et la lutte pour la libération du Congo et pour l'indépendance. Et donc, ils ont été victimes de la barbarie de nos ennemis, de notre pays, pour que nous puissions accéder à l'indépendance. Nous gardons une pensée pieuse à toutes ces personnes qui ont perdu leur vie. Mais cependant, nous pouvons comparer nos aînés à ce qui se passe aujourd'hui, surtout à l'est du pays, où il y a aussi plusieurs victimes qui sont aussi des martyrs de la lutte pour la liberté et la libération de notre pays. Pour moi, si on sait les martyrs, je pense que les aînés, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'ils ont été piratés. Parce que ce que on vivait, les Congolais vivaient de la fois passée, ce n'est pas ce qu'ils vivent aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est la misère, donc c'est compliqué, c'est la désolation. Donc, comme chez moi, tu vois, je suis ici à Kinshasa, comme déplacé. Vous savez, je n'ai pas vraiment le droit de jouir de mes biens à Rutshuru à cause de la guerre. Ça, ce n'est pas vraiment une liberté. Mais avant de donner l'indépendance, il y avait des convenances qui étaient faites et consacrées. Les gens que vous avez vus au début de cette année, le Vatican, le pape François, il est venu avec un seul credo, que ce soit pour les jeunes,
que ce soit pour les politiciens, que ce soit pour les prêtres, la réconciliation. Impérativement, ça doit se faire ainsi. Après le pas, le Conseil de sécurité de l'ONU est à Kinshasa. Pour eux, la solution du Congo, c'est l'accord cadre. L'accord cadre, justement, c'est la forme écrite et légale qu'on peut présenter. Parce que les convenances à l'aube de l'indépendance étaient politiques. Quelles sont ces convenances? Parce qu'on n'en parle pas. Première convenance, les gens qui viennent ne sont prêts à donner l'indépendance du Congo. Mais dites-nous, vous êtes héritiers parce que vos ancêtres avaient des empires et des royaumes ici. Nous concédons à ça. Vous êtes héritiers à cause de vos ancêtres furent des propriétaires de ces royaumes et ces empires qui étaient ici. Mais les gens qui sont venus pour accorder l'indépendance, ils ont dit ceci. Dites-nous les noms de quel chef, de quel empire, de quel royaume qui avait donné cette superficie au Congo. 2 345 000 km². Dans le reste de l'actualité, les députés nationaux Jean-Baudouin Mayo-Mambeke saluent la brillante réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême pour ses hauts cadres de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC de Vital Kamerhe. La réélection de Félix Tshisekedi était prévisible face à une opposition mal organisée. Jean-Baudouin Mayo-Mambeke aux gens au téléphone par votre rédaction. On l'écoute. Ma réaction par rapport à la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi, je suis inondé par un sentiment de joie, de satisfaction. Je m'y attendais d'ailleurs. C'était plausible. Pendant que lui, il avait agglutiné des grandes coalitions, des grands partis politiques de ces pays derrière lui, les autres sont allés en ordre dispersé avec des partis mal implantés sur toute l'étendue du territoire national. Écoutez, il y a une petite mathématique politique qui, quelque part aussi, ne trompe pas. Je ne m'attendais pas à un miracle, parce que notre position, nous devons le comprendre, nous-mêmes nous avons été là, ça a été toujours un problème pour l'opposition, mais tant qu'on n'y arrivera pas, ça sera difficile. Il faudra, dans une élection à un tour et face à un candidat du pouvoir qui a derrière lui des grandes coalitions représentées sur toute l'étendue du territoire national, je ne m'attendais à aucune surprise. Donc, ce qui est arrivé est pour moi très normal, que les opposants arrêtent de gesticuler, qu'ils prennent conscience de leur stratégie mauvaise et qu'ils félicitent celui qui a gagné en avance. Bon, ils sont libres d'aller devant la Cour constitutionnelle. Et pour boucler complètement la boucle, à Butembo, la société civile de Boulanguera dresse un bilan peu reluisant de la situation sécuritaire dans ces coins de la République démocratique du Congo pour l'année 2023. John Kameta, président de la société civile commune de Boulanguera, fait état de 37 morts, 8 cas tués par justice populaire, 14 tués par balles réelles et le cas des morts par Randos et bien d'autres cas. On l'écoute. La commune Boulanguera a perdu 37 personnes et parmi les 37 personnes, il y a 14 personnes qui ont été tuées lâchement, c'est-à-dire tuées par balle, tuées par arme blanche. Au-delà de cela, il y a 8 cas de personnes qui ont été tuées par la justice populaire parce que ils ont peut-être été attrapés dans des circonstances vraiment où ils ont été suspectés, peut-être avec des armes ou tout ça. Et au-delà de cela, il y a des là qui se sont donnés eux-mêmes la mort par pendaison. Nous avons enregistré 6 cas. Il y a aussi des corps sans vie qui ont été retrouvés dans des circonstances difficiles à expliquer. Par exemple, des personnes à moitié enterrées, par exemple, des personnes avec même des blessures. Nous avons aussi comptabilisé 6 cas. Un message que nous pouvons donc placer auprès des autorités, c'est de les appeler pour l'année 2024
de renouveler des stratégies, de renforcer leurs stratégies. Effectivement, nous ne pouvons pas dire que nous ne reconnaissons pas les efforts qui ont été fournis, mais il faut le dire que c'est un bilan trop lourd. Un message aussi auprès de la population. Il y a des gens que nous connaissons bien qui ont perdu leur vie d'une manière innocente. Par exemple, quelqu'un, je prends un exemple, il y a un jeune garçon de Mukuna qui était parti à Kiala, mais parce que peut-être c'était tard, quand il voulait sortir de là et retourner à Mukuna, comme il était aussi, il avait déjà pris un verre, les jeunes qu'il a rencontrés l'ont tabassé à mort, au point même de le brûler, il a perdu sa vie. Ça veut dire, nous appelons la population de ne pas se livrer à des actes de violence. Même si on a attrapé un bandit, la loi interdit en ce qu'un citoyen puisse éliminer la vie de notre citoyen. Donc, la société civile va toujours continuer comme elle a fait, de collaborer et de soutenir les actions des autorités. Mais au-delà de cela, pour l'année 2023, nous avons nous-mêmes été sur terrain pour sensibiliser les habitants à abandonner ce genre de violence. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition du journal réalisée par Jurès Mabeka, Jonathan Molo-Cantoni sous la supervision des Bijoun Djodji Bateko. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve exactement ce jeudi à la même heure, à la même chaîne et avec le même plaisir. Inch'Allah. Les propriétaires terriens et la famille régnante de la ville de Bandundu a sécurisé leur patrimoine par la titrisation. Cela aura...